Yo les Undoxers, on continue dans la série des accessoires Apple. Pas vraiment avec du Apple ce coup-là, mais des accessoires pour du Apple. Puisque bah, vous retrouverez les liens dans la description, mais il va s'agir là, pardon, de bracelets pour l'Apple Watch. Donc c'est pas les mêmes marques. On va éviter le bruit du plastique, on va déballer tout ça vite. Et on regardera ça. Hop là. Voilà. Donc là, on est sur du bracelet en nylon. J'ai quand même peur qu'il soit. Ah non, il est élastique en plus. Regardez. Alors, par contre, j'ai peur qu'il soit un petit peu petit quand même. Hein, parce que. Ah non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc on a deux types de bracelets. On va avoir ceux-là. Ah, on va avoir ceux-là en nylon. Ouais, pratique à serrer, mais pas pratique à desserrer. Donc en plein de couleurs, arc-en-ciel, gris, bleu, kaki et noir. Et on va avoir celui-là, qui se ressemble, qui se rapproche un petit peu de celui que je porte actuellement. Et du coup, on va passer. Là, je suis pas vraiment en face. On va donc passer la boucle là, clipser hop, avec le trou au milieu et passer dans la boucle au-dessus. Donc c'est pareil, c'est un petit peu élastique, c'est du espèce de caoutchouc machin. Alors c'est pas les original Apple parce que les bracelets valent une blinde hein, et on n'est pas encore youtubeur à des millions d'abonnés. Hop, du coup, les Apple Watch, vous retirez le bracelet en appuyant au-dessus, hop, et en dessous, et vous refixez les bracelets de la même façon, donc en le glissant d'un côté et de l'autre. Bah bougez pas, je l'essaye, je vais peut-être l'essayer par au-dessus, peut-être que par en haut ça ira. Hop, alors. On glisse ça là-dedans. Alors l'avantage c'est que là il y a de la marge en tout cas. C'est assez agréable. Hop, bon, c'est toujours assez désagréable à mettre cela. Donc, il faut bien pousser fort sur son bras, machin, il faut tomber au bon endroit. Ouais, ça va. Ça va, il est assez agréable. Et par rapport à l'autre que je porte, je sais pas si on va pouvoir le voir. On le voit pas bien, mais il est vachement plus fin et vachement plus bah, plus souple. On dirait pas comme ça, mais il est vachement plus fin et plus souple en tout cas. Donc celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal et ils font à peu près la même taille. Ouais, ils font à peu près la même taille. Donc celui-là pas trop mal. Le bleu et blanc. Hop. L'avantage, c'est que vous pouvez personnaliser les écrans facilement avec l'Apple Watch pour correspondre un peu à vos couleurs. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout cela. Alors, à savoir que je pense qu'il faut peut-être le monter comme ça. Hop. J'aurais pu le faire avec vous là-haut. Hein. J'aurais pu le faire avec vous là-haut. Hop. Raté. Voilà. Donc, eh ben, on va le desserrer. Hop, et puis ben, on va le mettre à son poignet. Et alors, le resserrage est moins pratique. Mais l'avantage, c'est que ben, c'est un peu extensible. Donc, vous pouvez l'avoir un peu. Une fois que vous avez le bon réglage, vous pouvez juste sortir directement votre Apple Watch, puis la remettre comme ça. Donc, par contre, ouais, non, par contre, il faut resserrer un petit peu quand même. Oula! Il faut resserrer un petit peu, par contre, quand vous le posez et replacez. À voir de quel côté c'est mieux resserrer, pour le coup, je sais pas. Du coup, voilà, vous avez vos bracelets un peu. Bah, je sais pas si on voit bien sur le noir, on verra pas. Sur celui-ci, on verra bien. C'est des petites mailles.
C'est des petites mailles. Donc c'est assez sympa. Le pack ne vaut pas grand-chose. Et puis bah du coup, vous voyez, vous en avez 5. Donc ça peut être intéressant si vous voulez changer de couleur de temps en temps. Voilà, comme d'hab, de toute façon, les liens dans la description. Et puis ben voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, commentez, et puis à la prochaine. Salut!